Okay, shall we start? Ben, can we start? Yes, I think we can start. We can start, yes. Ben, if you're using a mic and you can put it closer to your mouth so we can hear you. Okay, okay. I was saying that we can start. Okay, good morning, good afternoon, everyone. Bonjour. Je m'appelle Glenn McKnight and Alfredo Calderon. We're together with VSIG, along with Ben Rashad Sanosi. We welcome you to the first École virtuelle sur la gouvernance de l'Internet, the VSIG program. We have had a history since the spring of 2020 when we started this program. So this is an orientation session, and I'll turn over to Ben for any translation. Ben, are you there? Yes, yes, thank you. If you'd like introduce yourself in French. Okay, thank you, Glenn. Je suis Rachad Sanoussi et je suis très heureux d'être ici avec vous. Et nous sommes en train de lancer ce nouveau cours en français. Et j'ai eu à travailler avec Glenn pour le cours et nous sommes heureux de vous avoir ici. Et Glenn est le directeur de l'école et je suis l'adjoint. Alfredo est aussi dans l'équipe, donc soyez les bienvenus. Merci. Over to you. Okay, so this is our first orientation session, and so I'll turn to the first slide. Over to you, Ben. Glenn, you have to share the screen. Okay. Ceci est notre première session, c'est-à-dire la session d'introduction, et nous aurons quelques règles pour commencer. Ce cours se passera. Merci. Can you guys see my screen? No, we're not seeing it, Glenn. Not yet. Okay. Just one second. Let me just stop the... Okay, how about now? Yes. Okay. All right. Go ahead, Ben. OK, d'accord. Pour cette première session d'introduction, et nous aurons à suivre cette présentation. Premièrement, nous aurons les dates importantes pour l'école. Après, je parlerai des objectifs, des ressources humaines, des caractéristiques, de la chronologie et aussi des livrables sans oublier le parrainage. Next. OK. Next slide. Yes, next slide, please. OK, concernant les dates importantes pour cette école de la gouvernance sur la gouvernance de l'Internet, et nous avons démarré cette première session. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai. Donc, c'est la première session qu'on est en train de faire actuellement sur Zoom. Et nous aurons une autre première session en direct. Une autre session en direct, c'est-à-dire... Cette session, c'est vraiment une session d'introduction. La seconde session sera une session en direct avec un panéliste qui sera là où nous pourrons avoir des questions. Et ça sera le 30 mai, toujours à la même heure. Le 27 juin, nous aurons aussi une autre session avec un autre speaker qui nous parlera de quelques aspects liés à la gouvernance de l'Internet. Après, nous aurons une dernière session le 18 juin, toujours dans le même sens. Et à la même heure. Next slide, please. OK. Maintenant, concernant les objectifs de l'école virtuelle sur la gouvernance de l'Internet, il y en a jusqu'à 6 objectifs. Et le but vraiment ici, c'est d'évaluer les formations disponibles en face à face et en ligne sur la gouvernance d'Internet. Et après cette évaluation, il faut effectuer une analyse des lacunes pour pouvoir formuler d'autres formation.
Et cette école virtuelle de la gouvernance de l'Internet fournit une possibilité de formation en ligne complète. Au lieu de faire la formation en face à face, nous savons qu'il y a plusieurs écoles de gouvernance qui se tiennent en face à face. Mais compte tenu de la situation de la COVID depuis 2 ans, il y a de plus en plus il y a le fait que ces écoles ne se font plus. Et c'est pourquoi cette école virtuelle est née. Et un autre objectif, c'est d'offrir une expérience interactive avec les participants. Nous pourrons échanger avec des experts de la gouvernance de l'Internet pour découvrir davantage ce qu'on appelle gouvernance de l'Internet dans tous les sens que ça va et pour pouvoir s'engager. Aussi, cette école nous permettra de nous encourager à un retour d'information pour pouvoir améliorer la formation du cours. Donc, après avoir suivi ce cours, il faudra faire une évaluation, donner vos commentaires pour pouvoir améliorer pour les futurs participants au cours. Et ne pas remplacer l'expérience en face à face de la gouvernance d'Internet par une école virtuelle. Il faut reconnaître qu'une école virtuelle ne remplace pas forcément une école en face à face. C'est ça le but. Next slide, please. OK. Concernant la structure de la VSIG, on a Alfredo Calderon, qui est le doyen de la VSIG et c'est le concepteur, le créateur académique principal. On a moi-même et Glenn, qui sont les coordonnateurs du projet. Glenn est le coordonnateur général et je suis le coordonnateur adjoint. Nous sommes chargés de créer du contenu, de faire les relations publiques et aussi de faire la recherche de fonds pour la VSIG. Et on a aussi des bêta-testeurs qui contribuent à la VSIG, c'est-à-dire ceux qui testent le site pour voir si tout marche bien et s'il n'y a pas de faute ailleurs. On aura aussi des invités qui participeront aux sessions directes. Comme je l'avais dit, nous aurions 3 sessions en direct à part cette première session. Next slide, please. OK. Parlant des caractéristiques de la VSIG, nous avons une plateforme d'apprentissage qui est Moodle et le contenu, c'est substitué en plusieurs modules sur la gouvernance de l'Internet et il y a des contenus, des images, du texte, de la vidéo aussi. Et il fait en sorte qu'on a des chats en direct, on a aussi des forums de discussion et des quiz. Et ces quiz doivent être complétés pour pouvoir avoir le certificat d'achèvement à la fin. Next slide, please. Ça, c'est un exemple de certificat. Ça, c'est le certificat de Gérard Depardieu qui avait fait le cours à la cohorte précédente. C'est ce que ressemble le certificat. En temps aussi, j'avais eu à faire la formation, donc j'ai eu aussi le certificat. Next slide, please. Donc, concernant les modules, vous aurez une première page d'accueil où s'est mis la gouvernance de l'Internet. Après, on a le premier module qui est l'histoire de la gouvernance de l'Internet. Et dans ce gros module, on a des sous-tirets, je dirais, où on a les objectifs, le module en question. Là, il faut poser les questions et les quiz. Et quand vous finissez chaque partie, c'est marqué, ça doit être coché quoi, automatiquement. C'est comme ça, on a au total plusieurs modules du genre après l'histoire de la gouvernance de l'Internet. Et nous aurons aussi des sessions en direct lors de ces différents modules pour pouvoir mieux comprendre les sujets. Ça ne serait pas purement en ligne. On aura à interagir de temps à autre. Next slide, please. OK. Ici, c'est purement au niveau du premier module. On détaille un peu le contenu du premier module sur l'histoire de la gouvernance de l'Internet, où j'avais dit qu'on avait les objectifs, le module en question, les questions, les quiz et aussi les ressources complémentaires. Et ce sont tout un tas de ressources qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez
enrichir votre connaissance en matière de gouvernance d'Internet avant qu'on ne puisse faire des sessions directes pour pouvoir mieux parler de ces sujets. Next slide, please. Bon, c'est à peu près à quoi ça ressemble. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'aller sur la plateforme. J'ai vu certains déjà connectés. Et ici, c'est toujours le premier module. Et nous sommes à la première page où vous voyez des images, des vidéos que vous pouvez lire à votre rythme. Au fur et à mesure, vous évoluez. Vous pouvez faire selon votre rythme, mais pourvu que vous finissiez à temps, avant la fin de la formation. Next slide, please. Aussi, c'est les quiz. Concernant les quiz, il y a plusieurs questions pour des quiz où vous êtes tenu de répondre. Mais on a fait en sorte que les quiz sont, comment je dirais, les quiz, vous pouvez les reprendre afin d'avoir de bonnes notes. Donc, si vous ne réussissez pas forcément une question, vous pouvez revenir pour reprendre le quiz pour pouvoir avoir plus de points, quoi. Next slide. Bon, c'est pareil ici aussi. On a plus de... Vous pouvez choisir. Il y a des questions à choix multiples et des questions de vrai ou faux aussi. Et il y a aussi des questions où vous devez écrire. Next slide. I want to mention, Ben, if you can translate, that we're just showing you examples of the quizzes and different platforms. Your quizzes will be in French. I want to make sure that everybody knows. Yes. Glenn est en train de rappeler que les questions seront en français, que c'est pas ce le document de présentation en anglais, sinon les questions dans le cours seront toujours en français. Ne vous inquiétez pas pour cela. C'est ce qu'il est en train de mentionner. Next slide. Merci. OK. Participer à ce cours vous offre plusieurs avantages. Vous avez la possibilité de vous engager sur les sujets liés à la gouvernance de l'Internet. Vous avez un environnement d'apprentissage pour partager vos connaissances et vos expériences. Aussi, vous participez à un environnement interactif en ligne avec des discussions, des chats et des séances en direct avec des perspectives variées. Et avec tout cela, vous êtes capable de vous engager davantage dans la gouvernance de l'Internet dans votre pays, dans la sous-région et dans tout le monde d'ailleurs. Et quand on parle de gouvernance d'Internet, c'est vraiment large. Donc, il va falloir choisir votre domaine de prédilection pour pouvoir mieux agir. Merci. Next slide. Donc, on a environ déjà 700 étudiants parce qu'il y a le cours faisait en anglais. C'est pour la première fois que nous sommes passés en français. Et pour pouvoir faire le cours, il faut mobiliser les ressources. C'est en ça, les ressources ont été mobilisées pour créer le contenu et aussi pour l'édition. Donc, le cours est aussi disponible comme préambule aux écoles sur la gouvernance de l'Internet. On a la sensibilisation de plus de 1000 boursiers de l'ICANN et de 250 d'ESGEN. Des membres de l'ISOC aussi viennent suivre le cours pour pouvoir enrichir leurs connaissances en matière de gouvernance sur l'Internet. Next slide. Oh. Ici. OK. En matière de parrainage, nous avons des commanditaires platines. Vous pouvez devenir partenaire. On a plusieurs volets. Il y a le volet platine, le volet or, le volet argent, le volet bronze. Et aussi, on peut être conseiller de faculté. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter le site www.virtualsig.org sponsor et vous pouvez devenir des sponsors pour l'école, pour la VSIG. Merci. Next slide. OK. Et aussi, nous vous demandons spécialement, lors de votre lecture, lors de votre apprentissage, du cours, si vous trouvez des erreurs de faute ou bien des petites erreurs, que ce soit de grammaire ou de fond, n'hésitez pas à les relever et vous pouvez utiliser le lien qui est sur le slide. Je vais vous
Le lien est disponible sur la page aussi. Vous pouvez donc nous faire part de vos corrections aussi. Merci beaucoup. Next slide, yes. OK. Concernant nos informations, on a la plateforme que vous avez assez déjà. Je ne sais pas si certains ont eu des problèmes par rapport à l'accès à la plateforme, parce qu'on vous avait envoyé les identifiants. Et il y a un fake, la foi aux questions, pour vos questions. On a une page Facebook qui est sur www.facebook.com/sig. Et pour nous contacter, vous pouvez nous contacter à info@vituel.sig pour Glenn et pour moi, directeur@vituel.sig.org. Et vous pouvez aussi contacter Alfredo par registration@vituel.sig. @vituel.sig.org. Désolé. Hein. Merci beaucoup. Je pense que c'est la fin de la présentation. Et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Et malheureusement, on n'a pas assez de participants actuellement. J'espère que ceux qui liront la vidéo en ligne pourront poser leurs questions, différentes questions. On a actuellement trois autres participants qui nous ont rejoints. Bonsoir Saliou, bonsoir Étienne, bonsoir Kamel. J'espère que vous nous avez suivis et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci. OK. Great. Thank you. Thank you, everybody. Let's open it up to questions. So if anyone has any questions for us. So Etan has said merci beaucoup for the presentation. Thank you again, Etan, for joining us today. So merci, Étienne, de nous avoir rejoint. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez directement le mettre dans le chat ou bien allumer votre micro pour parler directement. OK. Pour Abby, ça peut aller. Merci beaucoup. Kamel, je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis Étienne du Burkina Faso. La présentation a été bien. Merci beaucoup. Pour okay. Le moment, pas de questions. Merci Étienne. J'espère que vous avez commencé déjà par suivre le module 1 et vous avez pu vous connecter. Quoi. Merci. Oui. OK, ça marche. Kamel, vous avez des questions? Oui, Oui, allô? Je vous entends. Allez-y. OK. Je ne sais pas si c'est... tout d'abord, je vous remercie pour la présentation. En fait, je me suis connecté sur la plateforme aujourd'hui pour lire la partie concernant les acteurs de la gouvernance Internet. Oui. OK. Donc, sur cette partie-là, j'ai eu un petit souci de navigation sur le site. Je ne sais pas si le problème vient de mon navigateur. Bon. Bref, je ne sais pas si les autres participants ont rencontré ce souci-là. Quoi. OK. Bon, je ne sais pas si vous pouvez mieux décrire le souci. Sinon, moi, j'étais sur la plateforme il y a quelques minutes et j'ai pu accéder au contenu. Je ne sais pas si le contenu ne s'affichait pas vraiment, si c'était ça. Effectivement, tout le contenu ne s'affichait pas. Parfois, il y a des liens donc, sur lesquels je ne pouvais pas cliquer. OK. Bon, je vais revoir. Je vais revoir et vous revenir. Sinon, chez moi, ça marchait ce matin. Mais je n'étais pas sur ce module précisément. D'accord. Glenn, okay, merci. Please, Glenn, can you go to the second model? Acteur de la gouvernance de l'Internet. The second. Where do you want me to go to? You go to the second model. So okay, okay. History? Yes. No. No, actors. The next one. Actors. Yes, this one. Yes. Okay, actors, yeah. Can you go to the content? The content, yes. This one, yes.
OK. Go down. Kamel, je ne sais pas si oui, c'est ici. Oui, oui. C'est bien la bon, partie c'était là. C'était affiché comme ça ou bien c'était pas clair? Oui, oui, bon, c'était affiché comme ça, mais il y avait des parties manquantes, quoi. Manquantes, hein, OK. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, par exemple, le schéma d'en bas, juste le cercle qui parle des acteurs clés, là. Voilà. Ceci, là. Et l'écosystème d'Internet, ça voilà. Ça a pris... Non, ça ne venait pas et puis bon, c'est après que c'est revenu. Donc, je me suis dit que c'est peut-être un problème lié aussi non, à moi. Je pense que c'est la connexion. Si c'est là, venir, ça doit être la connexion. Il faut souvent réactualiser. Ça va venir. OK. Bon. Bon. J'ai une autre question. Oui, allez-y. OK. Bon. Pour les conditions de délivrance du certificat, vous avez dit qu'il faut forcément répondre aux décisions dans le groupe. Oui, il faut. Au fait, mais il n'y a pas de discussion actuellement. Oui, pardon? Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de discussion actuellement dans le forum. Oui, effectivement. Oui, fait, c'est nous les participants qui devons animer le forum. Il faut, par exemple, ta question là, tu pouvais poser ça dans le forum et en même temps, ça crée une discussion. D'accord. Ou bien, tu poses une question sur le cours que tu n'as pas compris et quelqu'un répond. Donc, en même temps, on apprend aussi comme ça, quoi. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ça peut aller. Ok, merci, Kamel. Bonjour, c'est Saliou. Oui, bonjour, Saliou. On vous reçoit. Voilà. En fait, je voulais savoir, j'ai déjà deux questions. Alors, sur le certificat d'achèvement, vous dites que lisez l'intégralité du document coché à la cage à droite. Cette cage-là, moi, je n'ai pas vu. Oui, en fait, par exemple, quand on va sur un module, tout à droite, vous avez la case qui se marque que vous avez déjà fini cette partie. Des fois, le site ne coche pas quand vous avez lu le document. Donc, vous pouvez cocher ça manuellement, quoi. Non, par rapport, en fait, vous avez dit, c'est-à-dire par rapport au guide du participant. Oui, oui, avoir bon. Lu l'intégralité du... Oui, en fait, il faut faire marquer active. Il y a Mac as done. Marqué, il y a quelque part là. Je ne sais pas si vous voyez l'écran actuellement là. Oui, oui, je vois. Okay. Mm-hmm. En français, ça va dire de mettre comme si c'est fait, quoi. C'est lui, vous quoi. Pouvez cliquer sur ça. Uh-huh, oui. D'accord, je vois. Alors, ma deuxième question, c'est par rapport au quiz. J'ai l'impression que ce n'est pas encore actif. C'est bien actif. Il faut finir la lecture. Si vous ne finissez pas, les trucs sont classés en ordre, au fait. Il faut finir chaque étape. Quand vous finissez de lire les cours, vous pouvez accéder au quiz pour pouvoir répondre. D'accord. Et vous ne pouvez pas quitter le quiz du module 1 sans faire. Vous ne pouvez pas faire le quiz du module 2 sans faire le quiz du module 1. Il faut forcément faire ça en ordre, quoi. OK, ça marche. OK, okay, je vous en prie. Merci bien. Une autre question encore. Je pense qu'il n'y a plus de... Oui, Kamel, vous avez la... OK, une dernière question. Oui. Et en fait, dans le cours, il y a des liens qui renvoient sur les vidéos YouTube. Une heure de temps, 57, voilà. Bon. Je voudrais savoir si ces vidéos-là sont vraiment... bon. Je ne vais pas employer le mot important, mais est-ce que ça entre dans la réponse bon, pour au les fait, questionnaires? Oui, au fait. Oui, c'est juste pour approfondir. Bien, c'est juste pour approfondir. Bon, je dirais directement que... Bon, vous me recevez, non? Je dirais directement que c'est pour approfondir des notions. Vous allez voir que d'accord. C'est souvent mis sous forme de module ressources complémentaires. Ressources quoi. Complémentaires, si vous voulez, oui. Si vous voulez... lire davantage sur la question, vous pouvez lire la vidéo complète. Mais c'est toujours d'accord. Bien de lire la vidéo. De dans les quiz, vous pouvez trouver des questions qui ont rapport à ces vidéos, mais c'est souvent un peu rare, quoi. D'accord. Merci. Je vous en prie. OK. Glenn, I think
no more questions. So over to you. Okay, thank you. Thank you, everybody. Merci. I put into the chat again the form. If you see any errors or additional ideas for the course, please save that link. And if you do see anything that we need improving or additional information, please add that as well. Ben, did you want to repeat that in French? OK, and Glenn vient de mettre dans le chat le lien pour les... Tout à l'heure, vers la fin de ma présentation, je parlais des omissions. Vous pouvez rapporter les omissions, les erreurs, ou bien si vous avez des idées pour améliorer le cours, vous pouvez toujours utiliser ce formulaire pour pouvoir nous faire part de vos suggestions. C'est ça que Glenn a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. And also, don't forget in the introduction section to introduce yourself and meet the other students. The platform is designed for you to learn from each other. Aussi, n'oubliez pas de vous introduire dans la première, dans le premier forum de discussion pour pouvoir parler avec les autres participants du cours pour pouvoir pour que ça soit de plus en plus interactif. N'oubliez pas de vous présenter. J'ai remarqué que beaucoup ne l'ont pas encore fait. Donc, faites-le, s'il vous plaît. Merci. Great. Alfredo, did you have any comment? I would like to emphasize that each module has a quiz where you should obtain at least 80% to if you're looking towards the certificate of completion. So emphasize that to them, Ben. 80% on each one of the quizzes to get the certificate. And the certificate will be emitted at the end once they complete the final survey in the last module. Thank you. Okay, thank you, Alfredo. Alfredo vient de dire tout à l'heure que de vous rappeler que à la fin du pour chaque module il y a un quiz et vous êtes tenu d'avoir 80%, genre les 80% pour pouvoir avoir le certificat. C'est bien pour ceux qui veulent avoir le certificat parce que le certificat aussi ça dépend de chacun quoi. Pour avoir le certificat, il faut avoir 80% au moins dans chaque quiz et les quiz sont faits de telle manière que vous pouvez même reprendre si vous n'avez pas laissez 80%, vous pouvez reprendre le quiz. Et automatiquement, à la fin, après avoir fini tous les modules, le certificat est délivré si vous avez vraiment les 80% par module. Merci beaucoup. Yeah, and as Alfredo has mentioned, the two requirements, the 80% on the quizzes and completing the final exams, make sure that when you go in and look at your profile, that the spelling of your name is accurate because that is what it goes on the certificate. So please double check that. Aussi vérifier si votre nom est bien écrit au niveau du site parce que c'est le nom qui est mentionné sur le site web qui ira sur le certificat. Donc, si votre nom est mal écrit, vous pouvez entrer dans votre profil modifié pour que ça soit le bon nom. Et OK, je pense que c'est ça. Merci. OK. Anything else, Alfredo? No, I think that's it. I sort of understood something about the complementary resources. Emphasize to them, Ben, that those are just additional references. If they want to deep dive into any of the topics, they can look at those resources. And if they want to download them, please emphasize that after the date the course closes, they won't have access to it. So do that as we move forward. Don't wait until the last minute to download any resources that they want to use. Thank you. Okay, thank you, Alfredo. Alfredo rappelle que tout à l'heure,
la question de Kamel disait qu'il y a des vidéos qui ce sont juste des ressources supplémentaires. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez les télécharger. Sinon, à la fin du cours, tout sera fermé. Donc, vous n'aurez plus accès au contenu du cours. Donc, si vous avez besoin d'un contenu dans le cours, vous pouvez déjà les copier ou bien les télécharger et les sauvegarder dans vos ordinateurs ou bien dans vos portables. C'est ce qu'il notait tout à l'heure. Merci beaucoup. OK. And finally, Glenn, I'm yes, sorry, Glenn. And finally, remind them that they can download the Moodle app to their mobile device, and then they can work with the content offline, and then they can sync back when they have a reliable internet connection to refresh the content. Thank you. OK. Aussi, il y a la possibilité de télécharger l'application mobile de Moodle. C'est décrit dans le guide de l'utilisateur. Vous téléchargez l'application. Et même quand vous n'êtes pas connecté, vous pouvez avoir accès au cours, faire les quiz. Et quand la connexion revient, tout sera mis à jour sur le site web. Merci beaucoup. Okay, well, thank you all for coming today, and good luck in taking the course. And as Alfredo has said, you have lots of time to work it at your own pace, and we appreciate your feedback. Okay, thank you. Merci à tout le monde. On va et bon apprentissage à vous. Okay. That's it. That completes the recording today. Thank you for coming today. Okay. Bonne soirée à vous tous. Bye.